L'horreur dans le musée de Hazel Hild. C'était une curiosité mitigée qui avait conduit pour la première fois Stephen Jones au Rogers Museum. Quelqu'un lui avait parlé de ce curieux endroit souterrain dans Southard Street, sur l'autre rive de la Tamise, où l'on exposait des choses en cire tellement plus horribles que les pires effigies de Madame Tussaud. Il y était allé en flânant un jour d'avril pour voir jusqu'à quel point il serait déçu. Et, chose étrange, il ne fut pas déçu. Il y avait là quelque chose de différent et de particulier. Bien entendu, les habituels lieux communs sanglants étaient représentés. Landru, le docteur Crippen, Madame Demers, Rizzio, Lady Jane Grey et une série d'interminables de victimes mutilées de la guerre et de la révolution et des monstres tels que Gilles de Rais et le marquis de Sade. Mais il y avait d'autres choses qui l'avaient fait respirer plus vite et rester jusqu'à la sonnerie annonçant la fermeture. L'homme qui avait réuni cette collection ne pouvait pas être un saltimbanque ordinaire. Il avait de l'imagination, et même une sorte de génie maladif dans quelques-unes de ses figures. Il avait appris ensuite des choses sur George Rogers. Il avait fait partie de l'équipe Tussaud, mais il avait eu quelques ennuis qui avaient amené sa révocation. On avait des doutes sur son équilibre mental. Il y avait des histoires de formes un peu folles, de cultes secrets, bien que par la suite le succès remporté par son musée en sous-sol ait émoussé certaines critiques tout en rendant plus acérées les pointes insidieuses des autres. La tératologie, l'iconographie du cauchemar, étaient ses passe-temps préférés, et il avait même eu la prudence de dissimuler certaines de ses effigies choisies parmi les pires dans une petite salle réservée aux adultes. C'est cette sorte de réduit qui avait tellement fasciné Jones. Il y avait là des choses hybrides et pesantes que seule l'imagination peut engendrer, modelées avec une habileté diabolique et coloriées d'une façon horriblement réaliste. Certaines étaient les personnages des mythes bien connus, gorgones, chimères, dragons, cyclopes et tous leurs congénères générateurs de frissons. D'autres étaient tirés des cycles plus noirs et chuchotés furtivement dans la légende souterraine, la noire Tsatogwa sans forme, Cthulhu aux nombreux tentacules, le proboscidien Chognar, Fogne et d'autres évoquant des blasphèmes auxquels on ne fait allusion qu'à mi-voix et provenant de livres interdits tels que le Necronomicon, le livre d'Abon ou l'Unauspreislichen Kulten de von Jungst. Mais les pires étaient des créations entièrement originales de Rogers et représentaient des formes qu'aucun conte de l'Antiquité n'avait jamais osé suggérer. Plusieurs étaient de hideuses parodies de formes que nous connaissons dans la vie organique, tandis que d'autres semblaient empruntés aux rêveries fébriles d'autres planètes et d'autres galaxies. Les peintures les plus déchaînées de Clark Ashton Smith pourraient en suggérer quelques-unes, mais rien ne pourrait suggérer l'effet de poignante repoussante terreur résultante de leur grande dimension, de l'exécution d'une habileté démoniaque, et des éclairages d'une adresse diabolique sous lesquels ils étaient présentés. Stephen Jones, en connaisseur, désœuvré du bizarre en art, avait cherché à rencontrer Rogers lui-même dans le bureau-atelier crasseux se trouvant derrière la pièce voûtée du musée. Une crypte à l'aspect inquiétant, éclairée pauvrement par des fenêtres en forme de fente horizontale et poussiéreuse, ménagée dans le mur de briques au niveau des anciens pavés d'une cour qui se trouvait maintenant cachée. C'était là que les figures étaient réparées, ou même complètement faites dans certains cas. Des bras, des jambes, des têtes et des torses de cire étaient étalés dans un beau désordre sur différents établis, tandis que sur des étagères, des perruques emmêlées, des dents à l'aspect féroce, des yeux vitreux et fixes étaient éparpillés, sans ordre. Des costumes de toutes sortes étaient pendus à des porte-manteaux, et dans un renfoncement se trouvaient de grandes piles de gâteaux, de couleurs et de pinceaux de tous les modèles. Au milieu de la pièce se trouvait un grand fourneau avec fondoir, utilisé pour préparer la cire destinée au modelage. Son foyer était surmonté d'une énorme cuve de fer montée sur pivot, avec un bec permettant de verser la cire fondue, sans avoir même à l'effleurer d'un doigt. Dans cette crypte effrayante, il y avait d'autres objets moins faciles à décrire. Des fragments isolés d'entités problématiques qui, assemblés, devenaient les fantômes du délire. À une extrémité se trouvait une porte de bois massif fermée par un cadenas, d'une taille inusitée, et sur laquelle était peint un symbole très particulier. Jones, qui avait eu accès autrefois au terrible Necronomicon, eut un frisson involontaire en reconnaissant ce symbole. Cet entrepreneur de spectacle, se dit-il à la réflexion, doit avoir en vérité une culture d'une importance déconcertante, dans un domaine noir et équivoque.
et la conversation de Rogers ne lui apporta aucune déception. L'homme était grand, mince, assez peu soigné. Il avait de grands yeux noirs, incandescents, dans un visage blême et habituellement mal rasé. Il n'en voulut pas à Jones de son intrusion, mais parut au contraire heureux de l'occasion de se confier à un homme intéressé par les mêmes choses que lui. Sa voix était singulièrement grave et sonore. Elle était d'une véhémence réprimée qui confinait à la fébrilité. Jones ne s'étonnait plus que bien des gens l'aient pris pour un fou. À chaque visite, à mesure que les semaines s'écoulaient, ses rencontres avaient pris peu à peu un caractère régulier. Jones avait trouvé Rogers plus communicatif et plus confiant. Dès le début, il y avait eu des indices de croyances et de pratiques étranges de la part de l'entrepreneur de spectacle. Et par la suite, malgré les présentations de quelques curieuses photographies corroborant ses dires, ces indices étaient développés sous la forme d'histoires dont l'extravagance était presque comique. C'était au cours d'une soirée de juin, alors que Jones avait apporté une bouteille de bon whisky et incité son hôte à parler librement, que les discours réellement déments firent leur première apparition. Antérieurement, il y avait eu des histoires assez violentes, récits de voyages mystérieux au Tibet, dans le centre de l'Afrique, le désert d'Arabie, la vallée de l'Amazone, en Alaska, et dans certaines îles peu connues du Pacifique Sud. Plus la prétention d'avoir lu des livres monstrueux et à boîtier légendaire tels que des fragments du pnakotique préhistorique et les chants d'ol attribués au maléfique et non humain Leng. Mais dans tout cela, il n'y avait rien d'aussi incontestablement dément que ce qu'il avait recueilli au cours de cette soirée du mois de juin, sous l'influence du whisky. Pour parler clairement, Rogers s'était mis à se vanter vaguement d'avoir découvert dans la nature certaines choses que personne n'avait trouvées avant lui, et d'avoir rapporté des preuves tangibles de ses dires. À en croire ses propos d'ivrogne, il avait été plus loin qu'aucun autre dans l'interprétation des livres obscurs et primitifs qu'il avait étudiés et avait été conduit par eux dans certains endroits reculés où étaient cachées d'étranges survivances, survivances de millénaires et de cycles d'évolution antérieurs à l'humanité, et dans certains cas en relation avec d'autres dimensions et d'autres mondes, avec qui la communication était fréquente dans les temps oubliés ayant précédé l'apparition de l'homme. Jones trouvait merveilleuse une imagination capable d'évoquer de telles notions et se posait des questions sur ce qu'avait pu être au juste l'histoire mentale de Rogers. Est-ce que son travail au milieu des extravagances morbides de Madame Tussaud avait été le point de départ de ces vagabondages de l'imagination? Ou bien ces tendances étaient-elles innées, si bien que le choix de son métier n'aurait été au contraire que l'une de leurs manifestations? En tout cas, le travail auquel se livrait cet homme était seulement très intimement lié à ces notions. Même à présent, il n'y avait pas à se tromper sur la tendance de ses allusions les plus noires sur les monstruosités cachées derrière le rideau de la petite salle, réservée aux adultes. Sans se soucier du ridicule, il essayait de sous-entendre que ces anomalies démoniaques n'étaient pas toutes artificielles. C'est le franc scepticisme de Jones, l'amusement dont il fit montre devant ces affirmations gratuites qui arrêtèrent les progrès de leur intimité. Rogers, c'était clair, se prenait très au sérieux. Dès cet instant, il devint morose et vindicatif. Il ne continuait à tolérer la présence de Jones que dans l'intention tenace de faire tomber ce mur d'incrédulité polie et condescendante. Les histoires terribles, les allusions à des rites et à des sacrifices s'adressés à des dieux sans nom d'autrefois suivaient leur cours. De temps en temps, Rogers conduisait son invité derrière le rideau et faisait ressortir des particularités qu'il était difficile d'attribuer à la main de l'homme, même la plus habile. Jones, étrangement fasciné, continuait ses visites, mais il savait avoir perdu l'estime de son hôte. À certains moments, il cherchait à complaire à Rogers en faisant semblant d'approuver quelques allusions ou assertions un peu folles, mais l'entrepreneur de spectacle n'était que rarement trompé par cette tactique. La tension atteignit son maximum plus tard en septembre. Un après-midi, Jones était passé au musée comme de coutume, il errait dans les couloirs faiblement éclairés dont les horreurs lui étaient à présent familières. Il entendit, venant approximativement de l'atelier de Rogers, un bruit très particulier. D'autres que lui l'avaient entendu également et avaient sursauté avec nervosité aux échos répercutés par ce grand sous-sol voûté. Les trois gardiens échangèrent un étrange regard. L'un d'eux, un garçon brun, taciturne, ayant l'air d'un étranger, que Rogers employait toujours comme réparateur et aide-dessinateur, eut un sourire qui parut intriguer ses collègues et qui irrita très nettement un certain côté des sensibilités de Jones. C'était l'aboiement ou le hurlement d'un chien qui ne pouvait être dû qu'à la plus vive terreur associée à une grande souffrance. Ce cri d'angoisse exacerbée était déchirant à entendre. Dans ce décor anormal et grotesque, il devenait doublement affreux.
Jones se rappelait que les chiens n'étaient pas admis dans le musée. Il allait se diriger vers la porte conduisant à l'atelier lorsque l'employé brun l'arrêta d'un mot et d'un geste. « Monsieur Rogers est sorti en donnant l'ordre de ne laisser entrer personne dans l'atelier en son absence. Quant à cet aboiement, il venait sans aucun doute de la cour située derrière le musée. Le voisinage était plein de chiens bâtards qui faisaient souvent, en se battant, un bruit gênant. Il n'y avait de chiens nulle part à l'intérieur du musée. Mais si Monsieur Jones désirait voir Monsieur Rogers, il pourrait le joindre juste avant l'heure de fermeture. » Jones grimpa donc aussitôt les vieilles marches de pierre conduisant dans la rue et examina avec curiosité des parages crasseux. Les maisons voisines décrépites, menaçant ruines, étaient en vérité très anciennes. D'abord habitations, elles avaient pour la plupart été transformées en magasins et en entrepôts. Certaines comportaient des pignons rappelant le style Tudor. Une légère puanteur de miasme flottait sur toute cette région. À côté de la maison crasseuse dont le sous-sol abritait le musée, il y avait une voûte basse percée à côté d'une allée sombre et pavée de cailloux ronds. Jones y entra avec le vague désir de trouver la cour située derrière l'atelier et de régler l'affaire du chien d'une manière qui le tranquillise. La cour était plongée dans la pénombre de cette fin d'après-midi. Elle était bordée à l'arrière par des murs encore plus hideux que les façades croulantes de ces affreuses vieilles maisons de la rue et, comme elle, menaçant ruine. Pas un chien en vue. Et John se demandait comment les suites de ce tumulte effréné avaient pu disparaître aussi complètement et aussi vite. Malgré la déclaration de l'employé d'après laquelle aucun chien n'était entré dans le musée, John se jeta un coup d'œil nerveux sur les trois petites fenêtres de l'atelier du sous-sol, des rectangles étroits horizontaux, tout près du trottoir, envahi par les herbes, avec des vitres très sales, qui rappelaient les yeux d'un poisson mort, vous regardant d'un air indifférent, et comme pour vous éloigner. À droite de ces fenêtres, quelques marches usées menaient à une porte pleine et solidement verrouillée. Une vague impulsion lui commanda de s'accroupir sur le sol humide de galets brisés et de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour le cas où les épais stores verts manœuvrés par de longues cordelettes, descendant jusqu'à une hauteur où l'on pouvait les atteindre, n'auraient pas été tirés. La surface extérieure de ces vitres était couverte d'une épaisse couche de saleté. Il l'essuya avec son mouchoir et s'aperçut que rien ne venait obstruer son champ de vision. La cave était si obscure qu'on ne pouvait distinguer grand-chose, mais les différents accessoires grotesques sur lesquels travaillait Rogers se profilaient ça et là devant les yeux de Jones qui essayait les fenêtres les unes après les autres. Il semblait évident que personne ne se trouvait à l'intérieur. Cependant, en regardant à travers la fenêtre la plus à droite, celle qui était la plus rapprochée de l'entrée de l'allée, il vit tout au fond de l'appartement une lueur qui le fit s'arrêter, interloquer. Il n'y avait aucune raison pour qu'une lumière se trouve là. C'était un côté inférieur de la pièce et il ne se rappelait aucune lumière électrique ou au gaz à proximité. En y regardant une deuxième fois, il put préciser la forme de la surface éclairée, un grand rectangle vertical. Une idée lui vint alors. C'était dans cette direction qu'il avait toujours remarqué la lourde porte munie de ce cadenas d'une dimension anormale. Cette porte qui ne s'ouvrait jamais et au-dessus de laquelle était grossièrement badigeonné ce hideux symbole occulte tiré de documents fragmentaires sur une magie très ancienne et interdite. Elle devait être actuellement ouverte, et il y avait une lumière à l'intérieur. Toutes ces spéculations antérieures sur la question de savoir où menait cette porte et sur ce qui se trouvait derrière revenaient à la surface en lui causant une inquiétude triplée. Jones erra sans but autour de cet endroit sinistre jusqu'à ce qu'il soit près de 6 heures. Il retourna alors au musée et demanda à voir Rogers. Il aurait eu de la peine à dire pourquoi il désirait si particulièrement voir cet homme à ce moment précis. Mais il devait y avoir dans son subconscient des doutes au sujet de ce terrible hurlement de chien, impossible à situer, entendu dans l'après-midi et sur la lumière dans l'embrasure de la porte fermée, en général par un lourd cadenas. Les employés s'en allaient au moment où il arrivait et il eut l'impression qu'Ora Bona, l'employé brun à l'air étranger, le regardait avec une expression ressemblant à de l'amusement sournois et réprimé. Il ne goûta pas beaucoup ce regard, bien qu'il ait vu le garçon en question en lancer un semblable à son patron dans bien des occasions. La salle d'exposition, voûtée, complètement déserte, paraissait macabre, mais il la traversa à grands pas et frappa à la porte du bureau atelier. On fut long à répondre, il entendait pourtant à l'intérieur un bruit de pas. Finalement, il réitéra et eut un bruit de serrure. La porte ancienne à 6 panneaux s'ouvrit avec difficulté et en grinçant pour révéler la silhouette avachie à l'œil fiévreux de George Rogers. Dès le début, il fut clair que le montreur de curiosité n'était pas dans son état normal. Il y eut dans sa façon de l'accueillir un curieux mélange d'hésitation et d'exultation
méchante, et sa conversation s'orienta aussitôt sur les extravagances les plus affreuses et les plus incroyables. Dieu survivant d'un lointain passé, sacrifice sans nom, horreur non artificielle de l'alcôve réservée, toutes les vantardises habituelles étaient formulées avec une confiance qui s'affirmait tout particulièrement. Il était évident, se disait Jones, que la folie du pauvre garçon gagnait du terrain. De temps à autre, Rogers lançait un coup d'œil furtif à la lourde porte fermée intérieurement par le cadenas, au fond de la pièce, ou à un morceau de grosse toile goudronnée qui se trouvait non loin sur le sol, et sous laquelle un petit objet semblait couché. Jones devenait de plus en plus nerveux, et il se sentit devenir peu à peu aussi hésitant à parler des choses anormales de l'après-midi qu'il avait tout d'abord eu hâte de le faire. La voix basse aux résonances sépulcrales de Rogers faillit se casser sous l'effet de l'excitation causée par ces allées et venues fiévreuses dans la pièce. « Vous rappelez-vous de ce que je vous ai dit à propos de cette ville d'Indochine en ruine, où vécurent les Tchotchos ? En voyant les photographies, vous avez bien dû admettre que j'y avais été, même si vous avez pu penser que ce nageur allongé avait été modelé par moi dans de la cire en pleine obscurité. Si vous l'aviez vu, comme je l'ai vu, se contorsionnant dans les étangs souterrains. Eh bien, c'est encore plus fort. Je ne vous en ai jamais parlé parce que je voulais avoir tout terminé avant de faire la moindre déclaration. Quand vous aurez vu les instantanés, vous comprendrez que la photographie n'avait pas pu être truquée. Et j'imagine que j'ai un autre moyen de prouver que ce n'est pas l'une de mes créatures de cire. Vous ne l'avez jamais vu car mes expériences ne me permettaient pas de le laisser exposer. » Le montreur de prodiges jeta un étrange regard à la porte cadenassée. « Tout cela vient de ce long rituel dans le 8e fragment du Pnakotique. Quand je l'ai eu exécuté, j'ai vu qu'il ne pouvait pas avoir qu'une signification. Il y avait des choses dans le Nord, avant le pays de l'Omar, avant l'apparition de l'espèce humaine, et c'en était une. Il nous a fallu faire tout le chemin jusqu'en Alaska et en remontant le Nuutak à partir de Fort Morton. Mais la chose était là, comme je savais qu'elle y serait. » De grandes ruines cyclopéennes sur des hectares. Il en restait moins que nous l'avions espéré. Mais après 3 millions d'années, à quoi peut-on s'attendre? Et les légendes des Esquimaux n'étaient-elles pas toutes dans la bonne direction? Nous ne pouvions pas emmener un de ces mendiants avec nous et nous avons dû faire un traîneau tout le voyage de retour jusqu'à Nome à cause des Américains. Or, Abona ne valait rien sous ce climat qui le rendait morose et haineux. Je vous dirai plus tard comment nous l'avons trouvé. Quand nous eûmes cassé la glace entourant les pylônes de la ruine centrale, l'escalier était exactement tel que nous savions qu'il serait. Et il y avait encore quelques sculptures, et il n'y eut aucune difficulté à empêcher les Yankees de nous suivre à l'intérieur. Or, Abona tremblait comme une feuille. Vous ne le croiriez jamais d'après la façon dont ce sacré insolent se conduit par ici. Il en savait assez sur les traditions antiques pour être bel et bien terrifié. La lumière éternelle n'était plus là, mais nos torches nous en faisaient voir assez. Nous avons vu les ossements des autres qui étaient venus avant nous il y a des siècles, quand le climat était doux. Certains de ces os appartenaient à des espèces que vous n'imagineriez jamais. Au 3e niveau, nous avons trouvé le trône d'ivoire, dont les fragments de texte parlaient tellement. Et je peux aussi bien vous dire qu'il n'était pas vide. La chose qui était sur ce trône ne bougeait pas, et nous sûmes alors qu'il lui fallait être nourri d'un sacrifice. Mais nous ne voulions pas la réveiller à présent. Mieux valait l'emporter d'abord à Londres. Or, Abona et moi, nous nous sommes remontés à la surface pour chercher la grande boîte. Mais après l'avoir mise dedans, nous n'avons pas pu lui faire monter les 3 étages. Ces marches n'étaient pas faites pour des êtres humains, et leur taille nous déroutait. De toute façon, c'était diaboliquement lourd. Il nous fallait faire descendre les Américains pour qu'ils le sortent de là. Il n'était pas très empressé à l'idée de pénétrer dans ces lieux, mais bien entendu, ce qu'il y avait de pire était bien en sécurité à l'intérieur de la caisse. Nous leur avons dit que c'était un lot d'ivoire sculpté et des trucs archéologiques, après avoir vu le trône sculpté, et ils nous ont probablement cru. C'est un miracle qu'ils n'aient pas soupçonné l'existence d'un trésor caché et demandé à partager. Ils ont dû ensuite remonter d'étranges histoires dans la région de Nome. Je doute cependant qu'il soit jamais retourné dans ces ruines, même pour le trône d'ivoire. » Rogers marqua un temps, fouilla un peu partout dans son bureau et sortit une enveloppe d'épreuves photographiques de bonne taille. Il en retira une qu'il mit face impressionnée tournée en dessous, devant lui. Puis il passa le reste à Jones. L'endroit était certainement étrange. Collines recouvertes de glace, traîneaux à chiens, hommes habillés de fourrure et vastes ruines écroulées sur fond de neige.
des ruines dont on peut difficilement expliquer les contours bizarres et les énormes blocs de pierre. Une photo prise au flash montrait une incroyable salle intérieure avec des sculptures extraordinaires et un curieux trône dont les proportions ne pouvaient pas avoir été conçues pour un occupant humain. Les sculptures de cette maçonnerie gigantesque, murs élevés et dans le haut voûté de formes particulières, étaient principalement symboliques et comprenaient à la fois des dessins complètement inconnus et certains hiéroglyphes cités mystérieusement dans les légendes interdites. Au-dessus du trône se profilait le même terrible symbole qui était peint à présent sur le mur de l'atelier au-dessus de la porte massive cadenassée. Jones lança un regard nerveux à cette porte close. Assurément, Rogers était allé dans d'étranges endroits et avait vu d'étranges choses. Cependant, cette peinture intérieure démente pouvait facilement être un trucage, emprunté à un décor de théâtre, très habile. On ne doit pas se montrer trop crédule, mais Rogers poursuivait. « Eh bien, nous avons expédié la caisse de Gnome, et nous sommes arrivés à Londres, sans encombre. C'était la première fois que je rapportais une chose qui avait une chance de revenir à la vie. Je ne l'ai pas exposé parce qu'il y avait des choses plus importantes à faire pour lui. Il avait besoin de la nourriture du sacrifice, parce qu'il était un dieu. Naturellement, je ne pouvais lui procurer le genre de sacrifice auquel il était habitué de son temps, car de telles choses n'existent plus. » Mais il y avait d'autres choses qui pourraient convenir. Le sang et la vie, vous savez. Même les lémures et les esprits élémentaires qui sont plus vieux que la terre arrivent quand le sang des hommes ou des animaux leur est offert, dans les conditions voulues. L'expression qui se peignait sur le visage du narrateur était de plus en plus alarmante et repoussante, si bien que Jones s'agitait involontairement sur sa chaise. Rogers parut remarquer la nervosité de son invité et continua avec un sourire nettement maléfique. « Je l'ai depuis l'année dernière et je n'ai jamais cessé d'essayer les rites et les sacrifices. Or, Abona ne m'a jamais été d'un grand secours car il a toujours été opposé à l'idée de le réveiller. Il le hait probablement parce qu'il a peur de ce qu'il arrivera à signifier. » Il ne quitte pas son pistolet pour se protéger, cet idiot, comme s'il existait une protection humaine contre lui. Si jamais je le vois tirer son pistolet, je l'étrangle. Il veut que je le tue et que j'en fasse une effigie, mais je m'en tiens à mes plans. Et j'irai jusqu'au bout en dépit de ce que peuvent dire des lâches comme Rabona et les sacrés sceptiques ricaneurs tels que vous, Jones. J'ai célébré les rites et procédé à certains sacrifices. Et la semaine dernière, la transition s'est produite. Le sacrifice a été accepté. Accepté et apprécié. Rogers se lécha littéralement les lèvres, tandis que Jones se raidissait, mal à l'aise. Le montreur de prodiges se marqua un temps et se leva, traversa la pièce pour s'approcher du morceau de toile goudronné que Jones avait si souvent regardé. Il se pencha et tout en parlant, saisit un coin de la toile. « Vous avez assez ri de mon œuvre. » À présent, il est temps de vous mettre en face de certains faits. Rabona me dit que vous avez entendu un chien hurler dans ces parages au cours de l'après-midi. Savez-vous ce que cela signifiait ? Jones sursauta. En dépit de toute sa curiosité, il aurait été heureux de s'en aller sans avoir plus de lumière sur le point qui l'avait tellement intrigué. Mais Rogers était inexorable. Il commença à soulever le coin de la toile. En dessous gisait une masse écrasée, presque informe, que Jones fut lent à classer. Était-ce là une chose qui avait été vivante et qui s'était trouvée aplatie, vidée de son sang, ponctionnée en mille endroits et transformée en un amas monstrueux d'eau brisée et de chair meurtrie? Au bout d'un moment, John se rendit compte de ce que cela devait être. C'était ce qu'il restait d'un chien. Un chien qui avait peut-être été de grande taille et d'une couleur blanchâtre. Il n'était plus possible d'identifier sa race, car les déformations s'étaient produites de main de façon indicible et hideuse. La plus grande partie des poils avait été brûlée comme sous l'effet de quelque acide, très mordant, et la peau exposée à l'air exsangue était criblée d'innombrables blessures ou incisions circulaires. La forme de torture pouvant donner de pareils résultats dépassait l'imagination. Électrisé par une indignation qui prenait le pas sur son dégoût grandissant, Jones bondit en poussant un cri. « Ignoble sadique ! Espèce de démon ! Vous faites une chose comme cela et vous avez l'audace de parler à un homme normal ?» Rogers laissa tomber la toile avec un ricanement venimeux et se tourna vers son invité qui s'approchait. Il parla avec un calme inhabituel. « Comment, espèce d'idiot, vous croyez donc que c'est moi qui ai fait cela ? Et allons donc, ce n'est pas humain et cela n'a pas la prétention de l'être.
Sacrifier, c'est simplement offrir. Je lui ai donné le chien. Ce qui est arrivé, c'est son œuvre et non la mienne. Il avait besoin de la nourriture, de l'offrande. Il l'a prise à sa manière. Mais laissez-moi vous montrer à quoi il ressemble. » Comme Jones restait là, hésitant, l'orateur retourna à son bureau et prit la photographie qu'il avait posée, image en dessous, sans la montrer. À présent, il la lui tendait avec un regard étrange. Jones la prit et jeta un coup d'œil presque machinal. Au bout d'un instant, le visiteur regarda d'un œil plus pénétrant et parut plus absorbé, car la force entièrement satanique de l'objet représenté avait un effet presque hypnotique. Certainement, Roger s'était surpassé en modelant l'affreux personnage de cauchemar que l'appareil photographique avait fixé. La chose était l'œuvre d'un génie étrange et infernal, et Jones se demandait quelle serait la réaction du public quand elle serait exposée. Une chose aussi hideuse n'avait aucun droit d'exister. La simple contemplation de cette chose, une fois terminée, avait probablement achevé de détraquer l'esprit de celui qui l'avait faite et l'avait conduit à l'adorer par des sacrifices brutaux. Une raison solide pouvait seule résister à l'insidieuse suggestion tendant à faire croire que cette chose blasphématoire était, ou avait été, une forme morbide et exotique de vie réelle. La chose de la photographie était tapie ou se balançait sur ce qui semblait être une adroite reproduction du trône aux sculptures monstrueuses représentées sur l'autre étrange photographie. La décrire en employant les mots du vocabulaire courant aurait été impossible, car rien qui lui corresponde, même approximativement, n'avait jamais pu naître dans l'imagination d'un esprit sain. C'était une chose qui avait peut-être l'intention de présenter un vague rapport avec les vertébrés de cette planète, bien qu'on n'ait pas pu en être sûr. Sa masse était cyclopéenne, car même accroupi, il avait presque deux fois la taille d'Orabona que l'on voyait à côté de lui. En regardant de plus près, on pouvait observer qu'il avait plus ou moins les caractéristiques des vertébrés supérieurs. Il avait un torse presque globulaire, avec six membres longs et sinueux terminés par des pinces de crabe. Dans la partie supérieure, un autre globe subsidiaire faisait saillie en avant, comme une bulle, un triangle composé de trois yeux fixes de poisson, une trompe longue de 30 cm, visiblement flexible, un système latéral distendu, analogue à des ouïes, donnant à penser qu'il s'agissait d'une tête. La plus grande partie du corps était couverte de quelque chose qui passait tout d'abord pour de la fourrure, mais qu'un examen plus attentif révélait comme étant une dense profusion de minces tentacules noirs ou filaments suceurs, terminés chacun par une bouche faisant penser à la tête d'un aspic. Sur la tête et au-dessus de la trompe, les tentacules avaient tendance à être plus longs et plus épais, et marqués de raies en spirale rappelant la chevelure de serpent, de méduse. Dire qu'une telle chose pouvait avoir une expression semblait paradoxal. Cependant, Jones avait l'impression que ce triangle d'yeux saillants de poisson, cette trompe portée obliquement, tout cela exprimait un mélange de haine, de rapacité et d'étrange cruauté incompréhensible au genre humain, parce qu'il se combinait à d'autres émotions qui n'étaient pas de ce monde, ni de ce système solaire. Rogers, se disait-il, devait avoir déversé dans cette chose une anormale bestialité, toute sa folie malfaisante et tout son étrange génie de sculpteur. La chose était incroyable. Cependant, la photographie prouvait son existence. Rogers interrompit ses rêveries. « Eh bien, qu'en pensez-vous? Maintenant, vous demandez-vous encore qui a écrasé ce chien et l'a saigné à blanc par un million de bouches. Il avait besoin de nourriture, et il en aura encore besoin. C'est un dieu, et je suis le premier prêtre de sa hiérarchie du dernier jour. Yéhachoubnigorat, le bouc aux mille jeunes. » Jones laissa tomber la photographie avec dégoût. Et pitié. Écoutez, Rogers, ça ne marche pas. Il y a des limites, vous savez. C'est un très beau travail. Tout ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas bon pour vous. Il vaut mieux que vous ne le voyez plus. Laissez Orabona le briser en mille morceaux et tâchez de ne plus y penser. Et laissez-moi aussi déchirer cette affreuse photographie. Avec un ricanement, Rogers reprit vivement la photo et la remit dans le tiroir de son bureau. Idiot. Vous croyez encore qu'il est truqué? Vous croyez encore que je l'ai fait? Et vous croyez encore que mes personnages ne sont rien d'autre que de la cire? Eh bien, tant pis pour vous. Vous allez savoir, pas tout de suite, parce qu'il se repose après le sacrifice, mais un peu plus tard, oui, vous ne pourrez plus alors douter de son pouvoir. Rogers regardait la porte intérieure cadenassée.
Jones reprit son chapeau et sa canne qu'il avait posée sur un établi voisin. « Très bien, Rogers. Remettons cela plus tard. Il vaut mieux que je m'en aille à présent, et je repasserai demain après-midi. Réfléchissez à ce que je vous ai dit et voyez si mon avis vous paraît raisonnable. Demandez également à Orabona ce qu'il en pense. » Rogers montra littéralement les dents comme une bête sauvage. « Vous devez partir maintenant, hein ? Vous avez peur malgré tout. Vous avez peur malgré tous vos discours de bravache. Vous dites que ces effigies ne sont que de la cire, et cependant vous vous enfuyez quand je commence à vous apporter la preuve qu'elles n'en sont pas. Vous êtes comme ces gens qui relèvent mon défi. Ils n'oseraient pas passer la nuit dans le musée. Ils viennent avec un certain courage, mais au bout d'une heure, ils se mettent à hurler, à donner des coups partout pour qu'on les sorte de là. Vous voulez que je demande à Orabona ? Vous deux, toujours contre moi. Vous voulez renverser son trône terrestre qui s'annonce. Non, Rogers, personne n'est contre vous. Et je n'ai pas peur de vos figures, mais j'admire votre adresse. Nous sommes tous les deux assez nerveux ce soir et j'imagine qu'un peu de repos nous fera du bien. Pas peur, hein ? Alors pourquoi avez-vous si grande hâte de vous en aller ? Écoutez, oseriez-vous ou n'oseriez-vous pas rester seul ici dans le noir ? Pourquoi tant vous hâter si vous ne croyez pas en lui ? Eh bien, je ne suis pas particulièrement pressé. Mais que gagnerions-nous à ce que je reste seul ici ? Qu'est-ce que cela prouverait ? Ma seule objection, c'est que ce n'est pas très confortable pour y dormir. Quel bien cela pourrait-il nous faire à l'un comme à l'autre ? Cette fois, c'était Jones qui avait une idée. Il poursuivit sur un ton conciliant. Écoutez-moi, Rogers. Je viens de vous demander ce que cela prouverait que je reste ici, quand nous le savons tous les deux. Cela prouverait que vos effigies ne sont pas autre chose que des effigies et que vous ne devriez pas laisser votre imagination prendre le chemin qu'elle suit depuis quelque temps maintenant. Supposons que je reste, en effet. Si je tiens le coup jusqu'au matin, accepterez-vous d'envisager les choses sous un angle nouveau, de prendre 3 mois de vacances par exemple et de permettre à Orabona de détruire votre nouvelle création ? Allons, voyons. Est-ce que cela n'est pas correct ? Il était difficile de déchiffrer l'expression du montreur de prodiges. Il était évident qu'il pensait vite et que des diverses émotions qui étaient en conflit dans son esprit, c'était le triomphe malfaisant qui prenait le dessus. Il répondit d'une voix étranglée. « Assez correct. Si vraiment vous tenez le coup, je suivrai votre conseil. Mais vous devez tenir. Nous allons dîner et revenir. Je vous enfermerai dans la salle d'exposition et je rentrerai chez moi. » Demain matin, j'arriverai avant Orabona. Il vient une demi-heure avant les autres, et je verrai comment vous êtes. Mais n'essayez que si vous êtes très sûr de votre scepticisme. D'autres se sont récusés. Vous avez cette possibilité. Et je suppose que des coups frappés à la porte extérieure ne pourraient venir que d'un agent de police. Vous n'aimerez peut-être pas autant cela au bout d'un moment. Vous serez dans la même maison, mais pas dans la même pièce que lui. » Tandis qu'il sortait par la porte de derrière, donnant sur la cour crasseuse, Rogers prit avec lui le morceau de toile goudronnée, chargé de son horrible fardeau. Vers le milieu de la cour, il y avait un trou d'homme. Rogers en souleva tranquillement le couvercle. Ce geste lui paraissait familier à en donner le frisson. Toile goudronnée, fardeau, tout cela sombra dans l'oubli d'un cloaque aux multiples ramifications. Jones eut un frisson et s'écarta presque de la silhouette émaciée qui se trouvait à ses côtés quand ils arrivèrent dans la rue. D'un consentement mutuel, ils ne dînèrent pas ensemble, mais convinrent de se retrouver à 11h devant le musée. Jones appela un taxi. Après avoir franchi Waterloo Bridge et en rapprochant du Strand brillamment éclairé, il commença à respirer plus librement. Il dîna dans un café tranquille, puis il se rendit chez lui, à Portland Place, pour prendre un bain et se munir de quelques objets. Il se demandait distraitement ce que pouvait bien faire Rogers. Il avait entendu dire que celui-ci possédait sur Walworth Road une grande maison sinistre, pleine de livres obscurs et interdits, de tout un attirail occulte et d'images de cire qu'il avait cru bon de ne pas exposer. Orabona, avait-il également compris, occupait dans la même maison un logement séparé.
À 11h, Jones trouva Rogers attendant à la porte du sous-sol sur Southwark Street. Peu de paroles furent échangées, mais on sentait dans chacune d'elles une tension menaçante. Ils convinrent que seule la salle d'exposition voûtée abriterait le veilleur, et Rogers n'insista pas pour que cette dernière s'installe dans le réduit spécial, réservé aux adultes. Des horreurs suprêmes. Le montreur de prodiges, après avoir éteint toutes les lumières grâce aux interrupteurs placés dans l'escalier, ferma la porte de cette crypte au moyen de l'une des clés d'un trousseau très chargé. Sans qu'il se soit serré la main, il franchit la porte de la rue, la referma à clé derrière lui et remonta les marches usées pour regagner le trottoir. En entendant s'éloigner son pas, Jones comprit que sa longue et fastidieuse veille avait commencé. Plus tard, dans la complète obscurité de cette grande cave voûtée, Jones maudissait la naïveté puérile qui l'avait amené là. Pendant la première demi-heure, il n'avait cessé d'allumer de temps en temps sa lampe de poche, mais à présent rester assis dans le noir sur l'un des bancs réservés aux visiteurs était devenu plus épuisant pour les nerfs. Chaque fois qu'il allumait, le faisceau lumineux tombait sur quelque objet morbide, grotesque, une guillotine, un monstre hybride sans nom, une figure barbue chargée de maléfices, un cadavre dont le cou tranché laissait échapper des fleuves de sang. Jones savait qu'aucune réalité sinistre ne s'attachait à ces choses, mais après cette première demi-heure, il préférait ne pas les voir. Pourquoi avait-il été se soumettre aux caprices de ce fou? Il avait peine à l'imaginer. Il aurait été beaucoup plus simple de le laisser tranquille ou d'appeler un psychiatre. À la réflexion, c'était probablement par solidarité entre artistes. Il y avait tant de génie en Rogers qu'il méritait de bénéficier de toutes les possibilités d'être aidé à se libérer dans le calme de sa manie envahissante. Un homme qui pouvait imaginer et réaliser les choses évoquant la vie d'une manière aussi incroyable n'était sûrement pas éloigné de la véritable grandeur. Il avait l'imagination d'un Simet ou d'un Gustave Doré, jointe à l'habileté minutieuse et scientifique d'un Blatchka. À dire vrai, il avait fait pour le monde du cauchemar ce que les Blatchka, avec leur modèle de plante merveilleusement exact, sur verre, magnifiquement travaillé et coloré, avaient fait pour le monde de la botanique. À minuit, les 12 coups d'une horloge éloignée lui parvenant à travers l'obscurité le réconfortèrent, comme le message d'un monde extérieur qui continuait à vivre. La salle voûtée du musée était comme une tombe, effrayante, par sa complète solitude. Même une souris aurait constitué une présence réconfortante. Cependant, Roger s'était une fois vanté de ce que, pour certaines raisons, ni les souris ni même les insectes ne venaient jamais à proximité de cet endroit. C'était très curieux, mais cela semblait vrai. L'immobilité et le silence étaient presque complets, si seulement quelque chose faisait du bruit. Il traîna les pieds, faisant naître des échos qui émergèrent d'un silence fantomatique absolu. Il toussa, mais il y eut quelque chose de moqueur dans les réverbérations saccadées qui en résultèrent. Il ne pouvait tout de même pas se mettre à parler tout seul. Cela aurait signifié une désorganisation du système nerveux. Le temps semblait s'écouler avec une lenteur anormale, déconcertante. Il aurait pu jurer que des heures s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il avait dirigé sur sa montre le faisceau de sa lampe de poche, et minuit venait seulement de sonner. Il aurait préféré que ses sens ne fussent pas de cette sensibilité presque surnaturelle. On aurait dit que dans cette obscurité et ce silence, quelque chose était venu les aiguiser, si bien qu'il y répondait aux plus subtiles sollicitations, à peine assez fortes pour mériter le nom d'impression véritable. On aurait dit que par instant, ses oreilles captaient un susurrement vague, fugitif, qu'on ne pouvait pas tout à fait identifier comme le murmure nocturne des rues misérables de l'entourage. Et il pensait à des choses vagues et sans rapport, comme la musique des sphères et la vie inconnue, inaccessible, des autres dimensions, faisant pression sur la nôtre. Rogers se livrait souvent à des spéculations sur ce genre de questions. Les taches flottantes de lumière passant devant ses yeux noyés dans l'obscurité semblaient avoir tendance à adopter de curieuses symétries, de formes et de mouvements. Il s'était souvent posé des questions sur ces étranges rayons émanant de gouffres insondés qui scintillent devant nos yeux en l'absence de toute lumière terrestre. Mais il n'en avait jamais connu qui se comporte comme celle-ci. Il leur manquait l'absence paisible de but des taches lumineuses ordinaires, laissant supposer la présence d'une volonté et d'un but étranger à toute conception terrestre. Il y eut alors quelque chose qui faisait penser à de curieux mouvements. Rien n'était ouvert et malgré l'absence de courant d'air, Jones avait l'impression que l'atmosphère de la pièce n'était pas rigoureusement immobile. Il y avait d'imperceptibles changements de pression, pas assez nets pour faire penser aux coups de pattes immondes d'esprits élémentaires invisibles.
Il faisait anormalement frais également. Il n'aimait rien de tout cela. L'air avait un goût salé, comme s'il s'était trouvé mélangé à de la saumure des eaux du sombre profondeur souterraine. Et il y avait comme le soupçon d'une odeur ineffable de moisi. Dans la journée, il n'avait jamais remarqué que les figures de cire aient une odeur. Même en cet instant, cette bouffée reçue ne ressemblait pas à l'odeur que devraient avoir des figures de cire. Cela ressemblait davantage à l'odeur des spécimens se trouvant dans un muséum d'histoire naturelle. C'était curieux si l'on pensait aux affirmations de Rogers d'après lesquelles ces figures n'étaient pas tout à fait artificielles. À vrai dire, c'était probablement cette affirmation de la part de ce dernier qui avait conduit sa propre imagination à donner naissance à ce soupçon d'ordre olfactif. On doit se garder des excès d'imagination. N'était-ce pas des choses de ce genre qui avaient rendu fou le pauvre Rogers? Mais le vide absolu de cet endroit n'était pas moins terrifiant. Même les lointaines sonneries de cloches semblaient provenir de l'autre rive des golfes cosmiques. Cela rappelait à Jones la photographie démente que Rogers lui avait montrée, la salle aux extravagantes sculptures avec le trône que l'autre avait prétendu faire partie d'une ruine vieille de 3 millions d'années dans les solitudes inaccessibles et maudites de l'Arctique. Rogers avait peut-être été en Alaska, mais cette image était certainement rien d'autre qu'un décor de théâtre. Il ne pouvait normalement en être autrement avec toutes ces sculptures et ces terribles symboles. Et cette forme monstrueuse qui était supposée avoir été trouvée sur un trône, quel délire d'imagination! John se demandait à quelle distance il se trouvait au juste de ce chef-d'œuvre démentiel en cire. On le gardait probablement derrière cette lourde porte massive, cadenassée, conduisant quelque part hors de l'atelier. Mais cela ne servirait à rien de rêver sur une image de cire. La pièce où il se trouvait n'était-elle pas remplie de choses analogues, dont quelques-unes étaient à peine moins horribles que le redoutable « cela » Et de l'autre côté d'un rideau de toile mince, sur la gauche, se trouvait l'alcôve réservée aux adultes, avec ses fantômes sans nom du délire. Le voisinage de ces innombrables formes de cire commença à porter de plus en plus sur les nerfs de Jones à mesure que passaient les quarts d'heure. Il connaissait si bien le musée qu'il ne pouvait se débarrasser, même dans l'obscurité totale, des images auxquelles il était habitué. À vrai dire, l'obscurité avait pour résultat de surimpressionner aux images, lui revenant en mémoire, certaines harmoniques imaginaires très bouleversants. On aurait cru que la guillotine craquait, que la figure barbue de Landru, le meurtrier de 50 épouses, se tordait dans des expressions de monstrueuses menaces. De la gorge tranchée de Madame Demers, un hideux gargouillement paraissait sortir tandis que la victime, sans tête ni jambe d'un meurtrier dépeceur, essayait d'approcher de plus en plus sur ses moignons sanglants. Jones commença à fermer les yeux pour voir si cela ferait disparaître les images. Mais il s'aperçut que c'était inutile. En outre, quand il fermait les yeux, le dessin étrange et voulu des taches lumineuses s'accentuait et devenait plus bouleversant. Et puis soudain, il se mit à tenter de garder les images hideuses qu'il avait d'abord essayé de chasser. Il essayait de les garder parce qu'elles laissaient la place à de plus hideuses qu'elles. Malgré lui, sa mémoire commençait à reconstituer les choses blasphématoires entièrement extra-humaines qui rôdaient dans les coins obscurs et ses formations hybrides et boursouflées qui glissaient, avançaient en se contorsionnant dans sa direction comme si elles avaient voulu l'encercler. Le noir Tsatogwa se transforma d'une gargouille semblable à un crapaud qu'il était en une longue ligne sinueuse munie de centaines de pattes rudimentaires et une goule décharnée, caoutchouteuse, déploya ses ailes comme pour devancer et plaquer au sol celui qui la surveillait. John se cramponna pour s'empêcher de hurler. Il savait qu'il était en train de revenir aux traditionnelles horreurs de son enfance et il résolut d'employer sa raison d'homme pour tenir les fantômes à distance. Cela aida quelque peu, il s'en aperçut, de faire fonctionner de nouveau sa lampe de poche. Si effrayantes que fussent les images qu'elle dévoilait, elles étaient encore moins horribles que celles que faisait naître son imagination dans l'obscurité complète. Mais il y avait des inconvénients. Même à la lueur de sa torche, il ne pouvait s'empêcher de suspecter un tremblement léger et furtif d'une partie de la toile séparant la terrible alcôve réservée aux adultes du reste de la salle. Il savait ce qui se trouvait de l'autre côté et il eut un frisson. L'imagination évoquait les formes révoltantes du fabuleux Yog-Sothoth, une accumulation de globules irisés, mais formidable par la malignité qu'il suggérait. Qu'était cette masse maudite qui flottait lentement vers lui, en bondissant sur la séparation, lui barrant le chemin? Une petite bosse dans la toile, là-bas, sur la droite, faisait penser à la corne acérée de Gnofke, la chose poilue, mythique des glaces du Groenland, qui marche parfois sur 2 pattes, quelquefois sur 4, et quelquefois encore sur 6 pattes.
Pour faire sortir ce fatras de sa tête, Jones marcha hardiment vers l'alcôve infernale, avec sa torche brûlant sans arrêt. Bien entendu, aucune de ces terreurs n'était fondée. Cependant, les longs tentacules faciaux du grand Cthulhu n'étaient-ils pas réellement en train de s'agiter, lentement et insidieusement ? Il savait qu'ils étaient flexibles, mais il ne s'était pas rendu compte que le déplacement d'air résultant de son avance suffisait à les mettre en mouvement. Il retourna au siège qu'il occupait précédemment à l'extérieur de l'alcôve et laissa les taches de lumière symétrique faire ce qu'elles pouvaient faire de pire. L'horloge lointaine sonna un coup. Pouvait-il n'être qu'une heure ? Il dirigea sur sa montre le faisceau de sa lampe de poche et vit que c'était en effet l'heure exacte. Ce serait vraiment dur d'attendre demain. Rogers serait là vers 8 heures, avant même Aura Bona. Il y aurait la lumière dehors dans le sous-sol principal bien avant cette heure-là, mais personne ne pouvait arriver jusqu'à lui en venant de cet endroit. Toutes les fenêtres de ce sous-sol avaient été murées, à l'exception des 3 petites qui faisaient face à la cour, une assez désagréable attente, tout compte fait. Ses oreilles étaient le siège de la plus grande partie des hallucinations, à présent, car il aurait pu jurer qu'il entendait des pas furtifs, et malgré tout, pesants dans l'atelier, derrière la porte fermée à clé. Il n'avait que faire de penser à cette horreur non exposée que Rogers appelait « cela ». La chose était contagieuse. Elle avait rendu fou celui qui l'avait faite, et maintenant son image suffisait à déclencher des terreurs imaginaires. Cela se trouvait évidemment derrière cette porte cadenassée de bois épais. Ses pas étaient certainement pure imagination. Il crut alors entendre la clé tourner dans la serrure de la porte de l'atelier. Il alluma sa torche et ne vit rien d'autre que la porte ancienne, à 6 panneaux, dans une position normale. Il essaya de nouveau l'obscurité et ferma les yeux, mais il eut alors une illusion éprouvante de craquement. Cette fois, ce n'était pas la guillotine, mais le bruit d'une porte, celle de l'atelier, qu'on aurait ouverte lentement, furtivement. Il ne voulait pas hurler. Une fois qu'il aurait crié, il serait perdu. Il y avait à présent parfaitement perceptible un bruit de pas feutrés ou de pieds traînés, et cela avançait lentement dans sa direction. Il devait garder le contrôle. Ne l'avait-il pas fait lorsque ses apparitions avaient essayé de le cerner ? Le bruit des pieds traînés se rapprochait et sa résolution faiblissait. Il ne hurla pas, mais il se contenta d'un simple « Qui va là ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » Il n'y eut pas de réponse, mais le bruit se poursuivit. Jones ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur, allumer sa torche ou rester dans le noir, pendant que la chose s'avançait vers lui. Cette chose était différente, il le sentait profondément, des autres terreurs de la soirée. Ses doigts et sa gorge étaient animés de mouvements spasmodiques. Garder le silence était impossible, et l'incertitude résultant de la complète obscurité était ce qu'il y avait là de plus intolérable. De nouveau, il appela, au comble de la nervosité. « Halte ! Qui va là ?» En même temps, il allumait sa torche. Mais paralysé par ce qu'il avait vu, il laissa tomber sa lampe et il hurla, non pas une, mais plusieurs fois. Avançant vers lui dans le noir, il y avait une forme noire, géante et abominable, qui n'était pas complètement un singe, ni complètement un insecte. Sa fourrure était lâche sur sa charpente, et l'embryon de tête qu'il avait, rugueux à l'œil mort, se balançait comme ivre d'un côté et de l'autre. Ses pattes de devant étaient tendues avec des serres largement écartées et l'ensemble du corps était roidi dans une attitude de méchanceté meurtrière, malgré l'absence d'expression de sa face. Après les hurlements et le retour de l'obscurité, cela bondit. En un instant, Jones était cloué au sol. Il n'y eut pas de lutte, car l'indiscret s'était évanoui. L'évanouissement de Jones n'avait pu durer qu'un court instant, car la chose sans nom le tirait comme l'aurait fait un grand singe quand il se mit à reprendre connaissance. Ce qui commença à le réveiller complètement, ce furent les bruits que faisait la chose, ou plutôt la voix avec laquelle il les faisait. Cette voix était humaine, et lui était familière. Seul un être vivant pouvait se trouver derrière les accents rauques et fiévreux des incantations qu'il adressait à une horreur inconnue. « Ia ! Ia ! » Je viens, Orantegoth, je viens avec la nourriture. Tu as longtemps attendu, tu as été mal nourri, mais maintenant, tu vas avoir ce qui a été promis. Cela est davantage, car au lieu d'Aura Bona, ce sera quelqu'un d'un rang élevé qui a douté de toi. Tu l'écraseras et le saigneras, lui et tous ses doutes, et tu en deviendras fort.
Et à jamais parmi les hommes, il restera comme un monument à ta gloire. Ran Tegoth, infini et invincible, je suis ton esclave et ton grand prêtre. Tu as faim et j'y pourvoirai. J'ai déchiffré le signe et je t'ai conduit en avant. Je te nourrirai de sang et tu me nourriras de puissance. Yah Shub-Niggurath, le bouc aux mille jeunes. En un instant, toutes les terreurs de la nuit tombèrent comme un manteau qu'on dépouille. Il était redevenu maître de son esprit car il connaissait le péril tout à fait terrestre et matériel auquel il avait affaire. Il n'y avait pas de monstre fabuleux, mais un fou dangereux. C'était Rogers, revêtu de quelques déguisements de cauchemar de son invention, et sur le point d'offrir un terrifiant sacrifice au dieu maléfique qu'il avait fabriqué en cire. Ce qui était clair, c'était qu'il avait dû entrer dans l'atelier par la cour de derrière, endosser son déguisement et qu'ensuite, il s'était avancé pour saisir sa victime, bel et bien prise au piège et anéantie par la terreur. Sa force était prodigieuse, et s'il fallait le réduire à l'impuissance, on devait agir vite. Comptant sur la confiance que le fou mettait dans son état d'inconscience, il décida de le prendre par surprise pendant que son étreinte était relativement relâchée. Il sentait un seuil sous ses pieds, et il comprit qu'il entrait dans l'atelier où régnait une complète obscurité. Avec la vigueur que confère une terreur mortelle, Jones se redressa en abandonnant la position à moitié couchée qu'il avait été contraint de prendre. Pendant un instant, il fut libéré des mains du maniaque, stupéfait, et un moment plus tard, un coup heureux risqué dans l'obscurité lui permit de saisir de ses deux mains la gorge de Rogers, curieusement dissimulée par son déguisement. Mais au même instant, ce dernier s'accrochait de nouveau à lui, et sans autre préliminaire, ils se trouvèrent dans un corps à corps désespéré où chacun s'efforçait de sauver sa peau. L'entraînement athlétique de Jones était sans aucun doute sa seule chance de salut, car son assaillant, libéré par sa folie de toute inhibition du genre fair-play, décence ou même instinct de conservation, était un engin de destruction sauvage, aussi formidable qu'un loup ou une panthère. L'affreuse mêlée qui se poursuivait dans l'obscurité était ponctuée de temps en temps par des cris gutturaux. Le sang jaillissait, les vêtements étaient lacérés et Jones finit par sentir sous ses doigts le cou du maniaque, débarrassé de son masque de fantôme. Il ne dit pas un mot, mais utilisa la moindre parcelle de son énergie à la défense de sa vie. Rogers ruait, donnait des coups de tête, mordait, griffait et crachait, et trouvait cependant la force de hurler, de temps en temps, de vraies phrases. La plus grande partie de son discours était un jargon rituel plein de références à cela ou Ran Tegoth. Et pour les nerfs surmenés de Jones, c'était comme si ses cris étaient les échos de ronflements et d'aboiements démoniaques venant d'une énorme distance. Vers la fin, ils roulèrent ensemble sur le col, renversant les établis, heurtant les murs et les fondations de briques du fourneau foudoir central. Jusqu'à la toute dernière minute, Jones ne pouvait être sûr de s'en tirer, mais la chance finit par jouer en sa faveur. Un coup de genou dans la poitrine de Rogers amena une détente générale, et un moment plus tard, il était vainqueur. Bien qu'à peine capable de se tenir debout, Jones se leva et alla en trébuchant chercher sur les murs l'interrupteur électrique, car sa torche avait disparu en même temps que la plus grande partie de ses vêtements. Pendant ses recherches, il traînait derrière lui son adversaire inanimé car il craignait une attaque soudaine que le fou reviendrait à lui. Il trouva la boîte et tâtonna jusqu'à ce qu'il ait repéré le bon interrupteur. Alors l'atelier plongé dans un désordre indescriptible fut soudain illuminé et il entreprit de ligoter Rogers avec des cordes et des ceintures, qu'il ne fut pas difficile de trouver. Le déguisement de ce dernier, ou ce qu'il en restait, semblait fait d'une étrange qualité de cuir. Pour une raison ou pour une autre, son contact donnait à Jones la chair de poule et il paraissait dégager une odeur étrangère, une odeur de rance. Dans les habits normaux que Rogers portait en dessous, il y avait son trousseau de clés, dont le vainqueur, exténué, s'empara comme étant son passeport final pour la liberté. Les volets des petites fenêtres en forme de fente étaient tous tirés, et il les laissa ainsi. Jones lava les traces de sang, vestiges de la bataille, sur un évier qui se trouvait là opportunément. Puis il passa parmi les vêtements qu'il trouva sur les porte-manteaux, ce qui semblait avoir l'aspect le plus ordinaire et lui allait le moins mal. Il essaya la porte de la cour, s'aperçut qu'elle était fermée par un bec de canne qui ne nécessitait pas l'emploi d'une clé pour s'ouvrir de l'intérieur. Il garda cependant le trousseau pour pouvoir entrer quand il reviendrait avec du renfort, car pour parler net, la chose à faire c'était d'appeler un aliéniste. Il n'y avait pas de téléphone au musée, mais il ne lui faudrait pas beaucoup de temps pour trouver un restaurant ou un pharmacien ouvert toute la nuit qu'il l'aurait. Il avait presque ouvert la porte quand un torrent d'affreuses injures venant de l'autre extrémité de la pièce lui apprit que Rogers, dont les blessures visibles se limitaient à une longue et profonde estafilade en travers de la joue gauche, avait repris connaissance.
Idiot. Rejetant de Nantiédic et effluve de Ktoun, fils du chien qui hurle dans le maelstrom d'Azathoth. Tu aurais été sacré et immortel et maintenant tu le trahis, lui et son prêtre. Prends garde parce qu'il a faim. Cela aurait été à Aurabona, ce dernier chien tricheur prêt à se tourner contre moi et lui. Mais je te donne la meilleure chance à la place. À présent, vous devez vous tenir sous vos gardes, tous les deux, car il n'est pas commode quand il n'a pas son prêtre. Ya, ya, la vengeance est proche. Sais-tu que tu aurais été immortel? Regarde le foyer. Le feu est prêt à être allumé, il y a de la cire dans la marmite. J'aurais fait de toi ce que j'ai fait de ces formes autrefois vivantes. Hey, toi qui prétendais que toutes mes effigies étaient en cire, tu serais devenu toi-même une effigie de cire. Le foyer était tout prêt. Quand il aurait été rassasié, quand tu serais devenu comme le chien que je t'ai montré, j'aurais rendu immortels les fragments de ton corps, aplatis et ponctionnés. La cire s'en serait chargée. N'avais-tu pas dit que j'étais un grand artiste ? De la cire dans tous les pores, sur chaque centimètre carré de ton corps. Et pour ensuite, le monde aurait regardé ta carcasse écrasée et se serait demandé comment j'avais pu imaginer réaliser une pareille chose. Et le tour d'Aurabona serait venu, et d'autres encore à sa suite. Et ainsi ma famille de cire aurait grandi. Chien ! Est-ce que tu persistes à croire que je faisais toutes mes effigies ? Pourquoi ne pas dire conservais ? Tu sais maintenant dans quel lieu étrange j'ai été, et les choses étranges que j'en ai rapportées. Lâche, tu n'aurais jamais pu regarder en face le tueur dont j'ai revêtu la dépouille pour te faire peur. La simple vue de lui quand il était vivant, ou même le fait d'y penser avec tous les détails t'aurait tué instantanément de frayeur. Il t'attend, il attend, affamé. Le sang qui est la vie. Rogers prenait appui contre le mur, se balançant ça et là, dans ses liens. Voyez-vous, Jones, si je vous laisse partir, est-ce que vous en ferez autant pour moi ? Il faut que son grand prêtre s'occupe de lui. Rabona suffira à le maintenir en vie, et quand ce sera fini, je rendrai immortel dans la cire les fragments de son corps pour permettre au monde entier de les voir. Cela aurait pu être vous. Mais vous avez décliné cet honneur. Je ne vous importunerai plus avec ça. Laissez-moi partir. Je partagerai avec vous la puissance qu'il m'apportera. Grand Eran Degoth. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Il est en train de mourir de faim là-bas, derrière cette porte. Et s'il meurt, les anciens ne pourront jamais revenir. Hey, hey, laissez-moi partir. John se contentait de secouer la tête, bien que les imaginations de ce forain les révoltaient. Rogers, qui contemplait à présent comme un fou la lourde porte cadenassée, se cognait sans cesse la tête contre le mur de briques, rué de ses pieds liés solidement aux chevilles. Jones craignait qu'il ne se blesse, et il s'avança pour l'attacher plus solidement, à quelque chose de fixe. En se contorsionnant, Rogers s'écarta de lui et lança une série de ululements frénétiques dont le caractère absolument monstrueusement inhumain était terrifiant, et dont le simple volume était à lui seul presque incroyable. Il paraissait impossible qu'un gosier humain pût émettre des sons aussi intenses et aussi perçants. Jones avait l'impression que si cela continuait, il n'aurait pas besoin de téléphone pour demander du renfort. Il ne s'écoulerait pas beaucoup de temps avant qu'un agent de police vienne voir ce qui se passait, même en tenant compte du fait qu'il n'y avait pas dans ce quartier désert d'entrepôts de voisins pour entendre. « Oui, Azei, Vzayei, Ikaragbo, Rantegot, Cthulhu, Fetang, Ei, Rantegot, Rantegot !» L'homme étroitement troussé, qui s'était mis à s'avancer en se contorsionnant sur le plancher encombré, atteignit la lourde porte cadenassée et se mit à cogner la tête bruyamment contre cette porte. Jones appréhendait d'avoir à l'attacher plus solidement et regrettait d'être si fatigué par la lutte précédente. Les suites affectaient affreusement ses nerfs et il commençait à sentir le retour des indicibles malaises qu'il avait subis dans l'obscurité. Tout ce qui concernait Rogers et son musée était si diaboliquement morbide et évoquait tellement de sombres perspectives au-delà de l'existence.
Il était affreux de penser au chef-d'œuvre en cire de ce génie anormal qui devait à cet instant même être là à guetter tout près, derrière la lourde porte cadenassée. Et à présent, quelque chose se passait qui fit courir un nouveau frisson le long de l'épine dorsale de Jones et se hérisser tout son système pileux, y compris le duvet imperceptible qui poussait sur le dos de ses mains. Sous l'influence d'une frayeur, impossible à cataloguer. Rogers avait brusquement cessé de hurler et de se cogner la tête contre la porte massive et faisait des efforts pour s'asseoir, la tête penchée d'un côté comme pour écouter attentivement quelque chose. Un sourire de triomphe diabolique se répandit aussitôt sur son visage et il se remit à parler d'une façon intelligible. C'était cette fois un chuchotement rauque qui contrastait étrangement avec son hurlement de stentor antérieur. « Écoutez, idiot. Écoutez bien. Il m'a entendu et il vient. Vous ne pouvez donc pas entendre le bruit d'éclaboussure qu'il fait en sortant de sa cuve, là-bas à l'extrémité de la rampe. J'ai creusé profondément parce qu'il n'y avait rien de trop bien pour lui. Il est amphibie, comme vous le savez, vous avez vu ses ouïes sur la photo. Il est arrivé sur la terre venant de Yugot, couleur gris de plomb, où les villes se trouvent sous la mer chaude et profonde. Il ne peut pas se tenir debout ici, il est trop grand. Il doit s'asseoir ou s'accroupir. Donnez-moi mes clés, nous devons le faire entrer et nous agenouiller devant lui. Et puis nous sortirons pour trouver un chien ou un chat, ou peut-être un homme ivre, afin de lui donner la nourriture dont il a besoin. » Ce n'était pas ce que disait le fou, mais la façon qu'il avait de le dire qui ébranlait Jones si gravement. La folle et complète confiance, la sincérité de ce chuchotement de démon était horriblement contagieuse. L'imagination stimulée de la sorte pouvait découvrir une menace agissante dans la diabolique figure de cire qui les guettait, invisible derrière cette lourde planche. À fixer cette porte dans un état de fascination impie, Jones finit par remarquer qu'elle présentait plusieurs fentes distinctes, bien qu'aucune trace de violence ait été visible de ce côté. Il se demanda quelle dimension avait la pièce ou le cabinet qui se trouvait derrière, et comment la figure de cire était installée. L'idée de maniaque d'une cuve et d'une rampe d'accès était aussi ingénieuse que tout ce qu'il avait imaginé d'autre. Alors, en un instant, Jones perdit complètement la possibilité de respirer. La ceinture de cuir qu'il avait prise pour l'attacher plus solidement Rogers tomba de ses mains sans force. Une série de frissons lui parcourut le corps de la tête aux pieds. Il aurait pu savoir que cet endroit le rendrait fou comme il l'avait rendu Rogers fou. Et à présent, il était vraiment fou. Il l'était car il donnait asile à des hallucinations plus étranges qu'aucune de celles qu'il avait assaillies dans sa première partie de la nuit. Le fou le sommait d'entendre le clapotement d'un monstre mythique dans une cuve derrière cette porte. Et à présent, Dieu lui vienne en aide, il l'entendait effectivement. Rogers vit le spasme d'horreur arriver au niveau du masque de Jones et le transformer en un masque de terreur figé. Il dit d'une voix caquetante « Enfin, espèce d'idiot, vous y croyez? Enfin, vous savez, vous l'entendez et il vient. Donnez-moi les clés, idiot, nous devons lui rendre hommage et le servir !» Mais Jones n'en était plus à prêter attention à aucune parole humaine, démente ou non. Une phobie paralysante le maintenait dans un état d'immobilité et de demi-conscience. Des images folles traversaient comme une fantasmagorie son imagination désemparée. Il y avait un bruit d'éclaboussure, il y avait des pas feutrés ou traînés, comme en seraient des grosses pattes humides sur une surface solide. Quelque chose était en train de s'approcher. À travers les fentes de cette porte de cauchemar filtrait et arrivait jusqu'à ses narines une affreuse puanteur animale, ressemblant à celle des cages des mammifères dans les jardins zoologiques de Regent's Park, et en même temps différente. Il ne savait pas si Rogers parlait ou non. Toute réalité s'était effacée. Il était une statue obsédée par des rêves et des hallucinations si peu naturelles qu'ils en devinrent presque objectifs et éloignés de lui. Il crut entendre un reniflement ou un ronflement venant de l'espace inconnu qui se trouvait derrière cette porte, et quand un aboiement retentissant assaillit tout d'un coup ses oreilles, il ne put avoir la certitude qu'il venait du fou étroitement ligoté dont l'image flottait indécise dans sa vision ébranlée. La photographie de cette maudite chose de cire qu'il n'avait pas vue continuait de hanter sa conscience. Pareille chose n'avait le droit d'exister. Cela ne l'avait-il pas rendu fou ?
Il en était là de ses réflexions quand une nouvelle preuve de sa folie vint l'assaillir. Quelque chose, croyait-il, était en train de fourrager avec le loquet de la lourde porte cadenassée. Cela tapotait, griffait, faisait pression sur les planches. On entendait un bruit sourd sur le bois massif. Cela devenait de plus en plus fort. La puanteur était horrible. Et à présent, l'assaut de l'intérieur contre cette porte était un martèlement malfaisant, déterminé, comme des coups de bélier. Il y eut un craquement inquiétant, un bruit d'éclat qui se détache, un jaillissement d'odeurs immondes. Une planche qui tombait, une patte noire se terminant par une pince de crabe. En faisant un gros effort, Jones était aujourd'hui capable de se rappeler l'explosion soudaine de sa terreur paralysante, en une fuite instinctive et frénétique. Cette fuite a dû présenter une curieuse ressemblance avec celle qu'on vit dans les cauchemars les plus éperdus et les plus insensés. Car il semble avoir franchi d'un bond la crypte en désordre, ouvert d'une poussée la porte extérieure qui se referma seule derrière lui en claquant, et se verrouilla de même. Monté les marches de pierre, trois par trois, courut frénétiquement et sans but pour sortir de cette cour au pavé humide et à travers les rues sordides de Southwark. Ses souvenirs s'arrêtent là. Jones ne sait pas comment il est rentré chez lui. Il n'y avait aucune preuve qu'il ait pris un taxi. Il a probablement couru sur tout le parcours, mu par un instinct aveugle, franchi Waterloo Bridge, suivi le Strand et Charing Cross, remonté Haymarket et Regent Street, jusqu'à proximité de chez lui. Il était encore vêtu d'un étrange mélange de costumes empruntés au musée quand il eut repris suffisamment conscience pour pouvoir appeler le médecin. Une semaine plus tard, les spécialistes des nerfs lui permirent de se lever et d'aller prendre l'air. Mais il n'avait pas dit grand-chose à ses spécialistes. Sur l'ensemble de l'expérience qu'il venait de vivre flottait un voile de folie et de cauchemar, et il sentait que la seule chose à faire, c'était de ne pas en parler. Quand il fut levé, il parcourut aux attentions tous les journaux qui s'étaient accumulés depuis cette nuit atroce, mais il n'y trouva aucune allusion à quelque chose d'anormal concernant le musée. Dans quelle proportion, après tout, cela appartenait-il à la réalité? Où finissait la réalité? Et où commençait le rêve morbide? Est-ce que son esprit était tombé en pièces entièrement dans cette sombre salle d'exposition, et toute la bataille avec Rogers était-elle un fantasme de la fièvre? Cela l'aiderait à se remettre d'aplomb s'il pouvait tirer au clair quelques-uns des points les plus affolants. Il devait avoir vu cette maudite photographie représentant l'image de cire qu'on appelait cela, car aucun autre cerveau que celui de Rogers ne pouvait avoir conçu pareille abomination. Il laissa s'écouler une quinzaine avant de retrouver le courage de retourner à Southwark Street. Il y alla dans le milieu de la matinée, à l'heure où règne la plus grande activité saine et équilibrée autour des boutiques, des entrepôts antiques écroulants. L'employé de l'entrée fit un signe de tête aimable pour montrer qu'il le reconnaissait au moment où il rassemblait son courage pour pénétrer dans l'établissement. Et dans la salle voûtée du sous-sol, un employé porta la main à sa casquette avec bonne humeur. Tout avait été, peut-être, seulement un rêve. Oserait-il frapper à la porte de l'atelier et chercher Rogers ? C'est alors qu'Aura Bonin s'avança pour l'accueillir. Son visage brun et lisse était quelque peu sardonique, mais il n'avait rien d'inamical, d'après l'impression qu'il en eut. Il parlait avec un léger accent. « Bonjour, Monsieur Jones. Voilà quelque temps qu'on ne vous a pas vu par ici. Vous vouliez voir Monsieur Rogers. Je suis désolé, mais il n'est pas à Londres. Il a été appelé en Amérique pour affaires, et il a dû partir. Oui, cela a été très soudain. C'est moi qui m'occupe de tout ici, à la maison. » Je m'efforce de maintenir le standing de l'établissement au niveau où M. Rogers l'a porté, et cela jusqu'à son retour. L'étranger sourit, peut-être par simple affabilité. Jones ne savait pas très bien quoi répondre, mais il réussit à balbutier quelques questions sur la façon dont les choses s'étaient passées le lendemain de sa dernière visite. Aura Bonin en parut extrêmement amusé, et il prit beaucoup de temps pour formuler ses réponses. « Oh, oui. » Monsieur Jones, le 28 du mois dernier, je m'en souviens pour de multiples raisons. Le matin avant l'arrivée de Monsieur Rogers, comprenez-vous, j'ai trouvé l'atelier dans un affreux désordre. Il y a eu énormément de ménage à faire. Il a fallu faire des heures supplémentaires, voyez-vous. Un important spécimen nouveau a subi sa deuxième cuisson. J'ai tout pris en main lorsque je suis arrivé. Ce spécimen était difficile à préparer, mais bien entendu, Monsieur Rogers m'a beaucoup appris en tant qu'artiste. Quand il est arrivé, il m'a aidé à compléter le spécimen. Il m'a aidé très efficacement, je vous assure. Mais il n'a pas tardé à partir sans prendre congé du personnel. Comme je vous l'ai dit, il a été appelé soudainement et il y avait en train d'importantes réactions chimiques.
Elles ont provoqué de grands bruits. En fait, il y a eu dans la cour des charretiers qui se sont imaginés avoir entendu plusieurs coups de pistolet. Quelle idée amusante. Quant au nouveau spécimen, c'est une affaire très regrettable. C'est un grand chef-d'œuvre, conçu et réalisé, vous comprenez, par Monsieur Rogers. Il s'en occupera en rentrant. La police, vous savez, nous l'avons exposé il y a une semaine, et il y a eu 2 ou 3 évanouissements. Un pauvre garçon a eu, en le voyant, une crise d'épilepsie. Vous comprenez, c'était un tout petit peu plus fort que le reste, plus grand, ne serait-ce que cela. Bien entendu, il était dans la salle réservée aux adultes. Le lendemain, 2 hommes de Scotland Yard l'ont regardé et ont dit que c'était trop morbide pour être exposé. Ils ont dit que nous devions le retirer. C'est une grande honte, un tel chef-d'œuvre. Mais je ne me suis pas trouvé fondé à en appeler aux tribunaux en l'absence de M. Rogers. Il n'aimerait pas qu'on fasse une telle publicité avec la police actuellement. Mais quand il rentrera, quand il rentrera. Pour une raison quelconque, Jones sembla monter une vague de malaise et de répulsion. Mais Orabona poursuivait. Vous êtes un connaisseur, Monsieur Jones. Je suis sûr de ne violer aucune loi en vous proposant de le voir à titre privé. Il est possible, bien entendu, cela dépendra de ce que souhaite Monsieur Rogers, que nous détruisions ce spécimen un jour ou l'autre. Mais ce serait un crime. Jones éprouvait une grande tendance à refuser de voir et à prendre la fuite, mais Orabona l'avait pris par le bras et le conduisait avec un enthousiasme d'artiste. L'alcôve des adultes, pleine d'horreur sans nom, était vide de visiteurs. Au fond, dans un coin, le rideau d'une grande niche était tiré. C'est de ce côté que s'avançait l'assistant, en souriant. Il faut que vous sachiez, Monsieur Jones, que le titre de ce spécimen est le sacrifice de Rantegot. Jones sursauta violemment, mais Orabona ne parut pas le remarquer. Ce dieu sans forme et colossal appartient à une certaine légende obscure qu'a étudié Monsieur Rogers. Entièrement absurde, bien sûr, comme vous l'avez si souvent affirmé à Monsieur Rogers. On suppose qu'il est venu de l'espace extérieur et qu'il a vécu dans l'Arctique il y a 3 millions d'années. Il traitait d'une manière particulièrement horrible les créatures qu'on lui offrait en sacrifice, comme vous le verrez. Monsieur Rogers l'a fait diaboliquement vrai, et la figure de la victime est traitée avec le même réalisme. Jones tremblait à présent avec violence. Il se cramponna à la barre de cuivre, se trouvant devant la niche munie de son rideau. Il tendit presque la main pour arrêter Orabona quand il vit le rideau commencer à s'ouvrir, mais une impulsion contraire le retint. L'étranger eut un sourire triomphant. « Regardez !» Bien que cramponné à la barre, Jones chancela. De 3 bons mètres de haut, en dépit de son attitude accroupie, traînante, exprimant une malignité cosmique, apparut une monstruosité d'une incroyable horreur, s'élançant d'un trône cyclopéen, en ivoire, couvert de sculptures grotesques. Dans la paire centrale de ses 6 pattes, elle portait une chose broyée, aplatie, déformée, exsangue, criblée de quelques millions de piqûres et brûlée par endroits par quelque acide mordant. Seule la tête mutilée de la victime, pendant à l'envers sur le côté, était là pour témoigner qu'il s'agissait d'une chose qui avait été humaine. Le monstre lui-même n'avait pas besoin de titre pour quiconque avait vu certaines photographies infernales. Cette preuve abominable n'avait été que trop fidèle. Cependant, elle ne pouvait être chargée de toute l'horreur que dégageait la réalité gigantesque. Le torse globulaire, quelque chose en forme de bulle qui faisait penser à une tête, les 3 yeux de poisson, la trompe longue de 30 cm, les ouïes en excroissance, la monstrueuse prolifération de suçoirs ressemblant à des aspics, les 6 membres sinueux avec leurs pattes noires et leurs pinces de crabe. Dieu, la familiarité de cette patte noire se terminant par une pince de crabe. Le sourire d'Orabona était parfaitement odieux. Jones eut la respiration coupée et regarda cette hideuse exhibition avec une fascination croissante qui le plongeait dans la perplexité et le bouleversait. Quelle horreur à moitié révélée le retenait et l'obligeait à continuer de regarder et à chercher à voir les détails. C'est ce qui avait rendu Rogers fou. Rogers, artiste suprême, disait que ces choses n'étaient pas artificielles. Il situa alors la chose qui le retenait. C'était la tête écrasée en cire pendante de la victime et un certain détail. Cette tête n'était pas complètement dépourvue de visage et ce visage lui était familier. Il ressemblait au visage de fou du pauvre Rogers. Jones l'examina de plus près sans très bien savoir ce qui l'y poussait. N'était-il pas naturel de la part d'un égoïste fou de modeler ses propres traits dans son chef-d'œuvre ? Y avait-il là plus
que ce que la vision subconsciente avait saisi ou supprimé par pure terreur. La cire de la figure mutilée avait été maniée avec une dextérité sans borne. Ces piqûres, avec quelle perfection ne reproduisaient-elles pas les myriades de blessures infligées à ce pauvre chien ? Mais il y avait quelque chose de plus. Sur la joue gauche, on pouvait remarquer une irrégularité qui ne semblait pas faire partie du plan général, comme si le sculpteur avait essayé de recouvrir un défaut de son premier modelage. Plus Jones le regardait, plus il en était mystérieusement horrifié. Et alors, soudain, il se rappela un détail qui porta son horreur à son comble. Cette nuit affreuse, la bataille, le fou ligoté, et la longue et profonde estafilade sur la joue gauche du vrai Rogers, vivant. Jones relâcha son étreinte désespérée sur la barre et sombra dans un évanouissement total. Et Orabona souriait toujours.